Par la grande chanteuse égyptienne décédée il y a plus de 12 ans, Laila Mourad, qui continue d'exercer sur le public une attraction qu'atteste la rediffusion fréquente de ses shows et de ses films. Pour les musiciens, la jeune Laila monte sur les planches pour la première fois en 1930. La naissance de la radio en 1934 va l'aider à asseoir sa popularité de l'âme. Sa participation à de nombreux films musicaux comme Yachtel Frank, Au Jour de l'amour et dans beaucoup d'autres qui portent son nom. Laila Mourad est célèbre par sa conscience professionnelle et par sa gentillesse, ce côté cœur à cœur qui séduit tellement le public. À présent, écoutons cette belle chanson intitulée Activette d'Awabet, je suis de l'être, qui pourrait tout aussi bien intitulé La consolation des affligés. Je t'écris de l'âtre et j'attends que tu me répondes, je t'envoie des salutations au Seigneur de mes yeux. Je te dis, que s'est-il passé, tu l'as dû oublier, il ne t'aime pas de toi, tu l'as dû oublier et tu l'as dû oublier. Je vis seul et dans l'isolement, je n'ai de compagnon que ton ami. Pourquoi ma passion ne peut-elle s'alléger que d'une parole de miel que tu m'adresses? Le sommeil, le pluie, depuis que tu m'as oublié, je suis victime de l'injustice et tu m'as fait plaisir. Thank you.
compositeur avec lequel Maïmonide a collaboré, il y a Abdel Wahab qui a dit d'elle quelque chose qu'il doit se honorer. Elle sont gentille, elle s'assadji et Mourad, elle lui doit tout. Leïla Mourad a réussi en un temps record à devenir une grande chanteuse, à être même reconnue en Orient comme en Occident, ce que sa voix.